Bonjour, je m'appelle Thomas Hardy, donc je suis ingénieur process chez Matern Confilux. J'ai un profil de bio-ingénieur, donc je suis sorti en 2015. J'ai fait des études de bio-ingénieur, un bachelier en agronomie et une spécialisation en sciences et technologies des aliments. Moi, j'ai un profil scientifique. C'est des études qui étaient à l'époque, elles sont toujours très modernes, avec une possibilité de fonction vraiment très variée, parce qu'il y a différentes spécialisations, qu'elles soient dans l'environnement, l'agronomie ou la chimie, et donc ça nous offre beaucoup de possibilités par la suite sur le marché de l'emploi. J'étais intéressé par les différentes options que nous offraient les études de bio-ingénieur. Quand j'ai démarré, pas tout à fait clair dans ma tête, mais après la fin du tronc commun, j'avais pris évidemment la filière agronomie, mais je voulais aussi me spécialiser dans les aliments, avoir un aspect plus chimie des matières, des interactions entre les matières premières, et donc du coup, la spécialisation en sciences et technologies des aliments correspondait à mes attentes. Il y a énormément de possibilités. La preuve, c'est que j'ai démarré dans le département de la qualité. Après, je suis arrivé chez Matern comme ingénieur R&D, donc vraiment dans le développement des nouveaux produits. Là, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi et maintenant, je suis ingénieur process, donc je dépends de la production. Donc voilà, la preuve en image, c'est qu'il y a vraiment une possibilité d'évolution très importante et évidemment des formations en interne qui nous permettent de grandir dans sa propre fonction, mais aussi on a accès à toute une multitude de formations en fonction de nos besoins. Côté opérationnel, on est toujours sur le terrain, c'est vivant. On est challengé tous les jours avec de nouvelles problématiques, donc on n'a pas 2 jours qui se ressemblent. Donc ça, c'est des choses qui sont très agréables. En plus, on peut, dans certains cas, vite réagir pour avoir des résultats assez rapides aussi. Donc on voit l'amélioration qu'on apporte et ça, c'est vraiment génial.